Allez, c'est la manipulation, l'OS 1200D, Canon. On va pouvoir passer en mode P grâce au bouton priorité P. On va devoir vérifier en première chose, ce sont les ISO. Grâce au bouton Quick, je vais pouvoir appuyer sur l'ISO et changer sa valeur. Je vais rester à ISO 200 pour aujourd'hui. Ensuite, je vais pouvoir utiliser la caméra pleinement en appuyant sur le bouton caméra. Ensuite, je vois sur l'écran qu'il y a des grilles de la règle des tiers et je vais positionner mon collimateur carré ici avec les curseurs qui sont sur les côtés, à gauche ou à droite, comme je veux, à droite ou à gauche, en haut ou en bas, et je vais pouvoir ensuite appuyer sur le déclencheur à l'endroit où j'ai besoin. Bon. Lorsque la mise au point est faite, le bip, on l'entend, il suffit de déclencher. La photo vous convient, tout va bien, sinon vous pouvez effectivement appuyer sur le plus et moins afin de changer le correcteur de lumière. Il se situe ici à la base de l'écran du Live View, ici. Donc pour le changer, il suffit simplement d'appuyer sur le plus et moins et de faire évoluer la molette. On peut ainsi rectifier le tir avec le collimateur, orienter le carré sur le sujet dont on désire et on peut valider. On peut aussi effectivement jouer avec le flash, mais il faut appuyer sur l'ouverture de flash et on peut augmenter l'intensité du flash. Donc je désactive la caméra, j'appuie sur Quick, je descends sur le correcteur d'exposition du flash et j'augmente ou je diminue moins 1, moins 2, plus 1, plus 2 le flash, et ainsi je peux effectivement retravailler avec mon écran caméra, vérifier que la mise au point s'est bien faite et déclencher le flash.